Il n'y a pas d'échappement, hein. Pas visible. Comment tu faisais pour ouvrir le... la trappe? C'est quelque chose, hein. Et les boutons là, ça sert à quoi? C'est quand tu la charges, soit tu mets sur un minuteur, genre elle charge la nuit, ouais. Soit là elle charge normal. Tout de suite. Quoi, t'as une lumière qui s'allume, hein? Ouais. Et c'est quoi? 1 litre 4, 150 chevaux. Ouais. 110 chevaux électriques. 110 chevaux électriques. Et cumulé 204. 204 chevaux au total. Ça c'est toutes les prises. Alors ça c'est situé sur une borne. Mm-hmm. C'est le gros boîtier là. C'est si tu veux le brancher sur une prise de secteur. Ah tu ouais. Tu peux tout régler. Oh cool. Caméra aussi, hein. Combien tu l'as acheté, t'as dit? 28 000. 28 000. Et la carte grise? 2 euros. 2 euros la carte grise. Tu peux la démarrer là, non? Non. Et le capot, tu peux ouvrir? Ça, c'est les jantes, les électriques. C'est en bas là, non? Ça, ça, voilà. Pack S-Line. Siège chauffant. Ah ouais. Oh purée. Quoi, ça c'est le moteur électrique alors tout ça, ça là. C'est le moteur électrique, ouais. Et ils ont décalé le moteur un peu à gauche comparé aux autres A3 normal. Purée. Et les batteries elles sont sous le coffre. Vas-y, on va se faire un petit tour. C'est quoi le bouton que tu appuies là? Ça c'est pour enlever le mode électrique. Et là je la mets en mode hybride. Voilà. On peut sortir derrière. T'as dit t'as combien en autonomie électrique au total? Là c'est bien chargé. Vu qu'on est en hiver, j'en ai 33 à peu près. 33. L'été c'est à peu près 50 je crois. Non,
Là, tu vois où tu veux. Même le rétro, il est beau. Là, tu vois, il s'est pas encore allumé. Là, il s'est allumé. Je vais mettre en mode, mode sport. Ça veut dire quoi le truc batterie hold? Ça veut dire laissera qu'en essence? Là, ça veut dire normalement, ouais, mais si je si j'accélère à fond, elle, elle fera les deux. J'ai le truc. Non, je contrôle. Ouais, ouais. Là c'est que essence. Non, là c'était les deux. C'était les deux. Ouais. Franchement. Là c'est quoi t'as dit? Là c'est recharge induction. Mmh. Auxiliaire. Le câble pour charger. C'est quoi, c'est une boîte quoi ça? C'est Astronic. Astronic là? Ouais, ouais. Avant c'était la DSG. Chez Volkswagen. Des G7, non? Ouais. Vas-y. Là, mais là, juste en électrique. Juste en électrique, on voit ce que ça donne. Elle est en tout électrique. Vas-y. Qu'elle est beaucoup moins puissante. Ouais, tu vois, ouais, ouais, ça manque un peu. Là, quand tu mets les deux, et en fait, t'es obligé d'appuyer là-bas à chaque fois. Si je la mettais en hybride, non. Comme genre, t'as pas un. Attends, je vais essayer. Si là, je la mets en électrique, si j'accélère à fond, tu vois, elle se met toute seule. Elle se met quand même en hybride, ouais, ouais. En thermique. Si tu freines doucement, ça utilise pas les freins. C'est, ça utilise la recharge en fait. Pour ralentir. Pour ralentir, ouais. Bien. T'as déjà fait un entretien dessus? Je l'ai acheté il y a une semaine et demie. Ça vaut quoi, tu sais pas? Technique. Ça vaut combien d'entretien là-dessus? C'est la même chose en fait. Les batteries, ils ont pas besoin. Il y a besoin d'aucun entretien spécial. Donc ça coûte la même chose que. Ils ont pas une durée de vie les batteries. C'est à vie, je pense, jusqu'au. Non, en fait, justement, c'est ça le truc. C'est que les batteries, normalement, au bout de 8 ans, il faut les changer. Au bout de 8 ans? Elles sont garanties 8 ans et il faut pas les changer, mais elles perdent en autonomie en fait. Ouais, comme sur les iPhone. Voilà, exactement. Et ils recommandent, comme sur les Tesla en fait, de la charger à, de jamais descendre en dessous de 20% et de jamais la charger au-dessus de 80% pour qu'elle dure le plus longtemps possible la batterie. Okay. Ça, tu peux le régler dans le chargeur. Franchement, c'est propre. Il y a quoi? Il y a un turbo, hein? Ouais, je pense. Un litre 4 turbo. C'est les nouveaux phares ou c'est des xénons dessus là? C'est des LED. C'est les LED, hein? C'est pas les Matrix LED, mais c'est les feux LED. Genre, dans la nuit, ils cherchent aussi les panneaux, non, ça? Non, ça, c'est les Matrix LED. Mmh. Et ceux-là, ils sont automatiques, ils s'éteignent s'il y a une voiture, mais ils suivent pas les voitures, tu vois. Mmh.
C'est bien pour un jeune, tu vois. Franchement. C'est quelle année t'as dit? 2017. 2017. C'est décembre 2016. C'est pas mal. Et les trucs là, tu peux les changer. Hein. Là, tu peux mettre le téléphone, la musique. Là, tu as plusieurs réglages, date, autonomie. Là, tu vois, tu as l'autonomie électrique. Il me reste 9 km. Ouais. 9 km d'essence. Ensuite, si tu descends, tu as ta consommation. Tu vois, là, elle consomme électrique plus. Bonne rue prison. Ouais. Là, c'était les deux. Hein. Les deux. Ouais. Tu peux mettre tu vois la température de la voiture et tu vois là par exemple tu vois que c'est le thermique qui prend le dessus et là tu vois là elle récupère l'énergie donc ouais, elle quand charge. Tu freines là je freine même pas tu vois ouais, mais genre ça met le truc vert là voilà. Sur les... là t'as le GPS aussi ça c'est vraiment. Si l'hybride j'en suis convaincu, je prendrai une hybride de nouveau. Sinon, je prendrai une essence. Hein. T'as pas le. Dans le mort. Non, hein. Non. Après, ouais. Soit tu fais attention, tu regardes la route, soit tu fais confiance à ton rétro dans ces trucs-là. Ça, c'est quoi? C'est pour le GPS, c'est ça? Ouais. Là, il rentre. Oh. Elle se garde pas toute seule, hein? Non, j'ai pas le parc assist. J'avais hésité entre deux. Il y en a une qui l'avait, celle-là, elle l'a pas. Mais celle-là, elle a la caméra. Celle-là, l'autre, elle l'avait pas? Non. Ah, parce qu'elle avait cette option. Parce qu'elle se garait toute seule? Ouais. Non, il avait l'option parc assist, mais pas caméra. Et moi, je me suis dit, c'est un gadget, je vais pas l'utiliser souvent. Franchement, faut avoir confiance, hein. C'est ça aussi. Après, t'as le régulateur adaptatif sur celle-là. Là, elle suit la voiture toute seule en fait. Là, je règle le kilométrage. Alors là, genre, elle s'approchera 50. Pas plus de cette voiture. Je peux régler sur la distance moins. Là, j'ai mis moins de distance. Donc là, elle roule toute seule. Elle freine toute seule, même si la voiture s'arrête. Ça, sur l'autoroute, dans les bouchons, c'est pas mal. Là, je tourne juste le volant. Genre avec un plein, on va dire en essence, et un plein, une recharge électrique, tu fais combien? L'autonomie elle est au max à 650. Les deux, mixte. Les deux, ouais. Mais après, c'est comme dit, si tu vas tous les matins au bureau et que tu la recharges, tu peux rouler tout en électrique à chaque fois. Après, comme tu as dit, c'est quoi un réservoir 40 litres? Ouais, il est 10 litres de moins que. Tu vois, là, elle freine toute seule. Ah, elle a freiné toute seule? Elle a freiné toute seule et elle reprend. Elle le détecte? Je sais pas, je vais voir ça tout de suite. Non, elle est... non. Je sais, on sait jamais. Non, franchement, cool. Merci, Flo. De rien.